Bonjour et bienvenue sur Chess Ami. On va faire la partie numéro 49 sur les chess. Pas de challenge pour l'instant, donc on part, on cherche un 15 plus 15 classé contre un joueur allant de 1950, etc. Et c'est parti. C'est parti pour une Sicilienne. J'étais en train d'envoyer un message. Quand mon adversaire a joué E4 et s'est déconnecté. Parce que j'ai été long à jouer mon coup en fait. Je crois qu'on a 20 ou 30 secondes. Et j'ai envoyé un message. Ça y est, il est revenu. Voilà. Sicilienne avec fou C4. Moi je joue E6 parce que je redoute ce fou. Bon, ça a d'autres vertus E6 aussi. Contre fou C4, hein, je veux dire. Voilà, ça c'est une bonne réaction. Je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être B6. Sais pas trop ce que je dois faire là-dessus. D5 est possible aussi. Dame C7 est possible. J'aime bien l'idée de D5 quand même. D5, c'est pion prend, pion prend. Ça paraît un petit peu curieux d'ouvrir, mais il faut réagir. Et quelque part, les blancs n'ont pas joué des coups hyper standards. Donc ça mériterait, comme on appelle aux échecs, une punition, entre guillemets. Est-ce que j'égalise sur D5? Il peut faire petit roque, je dois jouer encore fou E7. Cavalier F6. Et petit roque, mais est-ce que je vais avoir le temps quoi? Bon. Déjà, je gagne un temps parce que sur pion prend, faut qu'il bouge. Faut qu'il bouge son fou quand même. Mettons quelque chose comme fou A2. Et là-dessus, je joue cavalier F6, petit roque, fou E7, j'ai le temps. Hein. Allez, moi, je joue D5. Pas envie d'être embêté comme ça. Check. Ok, donc ça, c'est une possibilité en effet. Je peux jouer dame E7. Mais je peux pas parce que je vais perdre ce pion. Je peux jouer fou E6, mais il y a cavalier G5 qui peut être embêtant. Et je peux jouer fou E7 qui paraît naturel. C'est le coup que je voulais jouer fou E7. J'ai aussi cavalier E7, mais c'est joueur parce que est-ce que j'ai le temps de faire G6? Alors fou E7, soyons naturels. Là aussi, il a du cavalier G5, mais cavalier F6. Ça, il est obligé. Maintenant, il va pouvoir jouer G4. Pardon, C4. Mais ça paraît positionnellement curieux. Je vais me développer un hein, cavalier F6. Il va faire petit roque. Petit roque, tour 1. Je vais fou D6. J'ai aussi cavalier C6 d'ailleurs. Donc, il peut y avoir une pression embêtante ici. Donc là, je pense qu'il joue pour fou G5. Est-ce que je joue tour E8, tour E1, cavalier C6, fou G5?
Où est-ce que je sors mon fou? Avec l'idée de jouer cavalier D7. Sur fou G5, je joue cavalier D7. Ça peut être bien ça aussi. Même si j'ai quand même envie d'avoir mon cavalier en C6. Donc en D7, il défendrait ici aussi. Mais j'ai déjà le fou ou la dame qui défendent. Quand il joue fou G5, je peux aussi jouer fou E6 d'ailleurs. Fou prend, fou prend. Non mais tais-toi toi. Excusez-moi, c'est c'est Google qui m'entend parler et qui décide de lancer les musiques. Fou G5. Problème de fou G5, ça va être ce fou en fait. Donc cavalier C6, fou G5. Fou G4. Cavalier C6, ça a l'air bien, hein. Ça défend ce cavalier, ce fou aussi. Et puis je me développe. C3. Peut-être il veut jouer D4, mais alors ça a été bizarre de jouer C3, D4. Peut-être il veut recycler le fou. Peut-être il veut jouer B4. Mais ça me donnerait peut-être un pion. Et maintenant j'ai fou G4 quand même. H3, fou H5. C'est naturel et du coup je vais pouvoir jouer tour 8. Hein. Je vois pas trop ce qu'il fait sur fou G4. Ok. Après s'il veut prendre la paire de fous, bon. Je pense qu'il va consommer du temps. Attention à son développement aussi. Hein. Ok, là on y est. Donc est-ce que maintenant je joue. Tour 8 est intéressant. Va sûrement jouer tour 1. J'ai dame D6 aussi que je suis en train de regarder avec l'idée de faire tour à E8 plutôt. Dame D6, il y a peut-être fou H4 pour jouer fou G3. Mais dame D6 fou H4, j'ai peut-être cavalier E5. Non, j'ai pas cavalier E5. Faut que je finisse mon développement, si ça passe par les tours. Par la limite, si je joue dame D6 qui joue ici, il faudra qu'il joue deux fois. Il aura joué trois fois son fou, hein, on est d'accord. Et moi deux fois la dame, donc j'aurais peut-être gagné un temps. Donc dame D6, ça me paraît normal, je vais y aller. Ah. Dame D6, j'ai peut-être un problème de. Pour jouer 8 après. Et si je joue tour 8 tout de suite, tour 1. Est-ce que j'ai des coups comme fou D6? Dame prend. Cavalier prend. Tour 8, tour 1, fou D6. Ben non, c'est débile. Ok, ben au moins je l'aurais regardé. Fou D6, dame prend, tour prend, fou prend, pion prend. Et il peut prendre en D5, c'est ça, il faut que je tienne D5. Et dame D7 alors. Un peu moins agressif, dame D7, mais.
Dame D6, tour E1, tour E8. Ou alors je joue H6, fou H4, G5, fou G3, fou D6. Finalement, je regrette de ne pas avoir mon cavalier en D7, vous voyez. On peut essayer de jouer pour la paire de fous, tour E8, tour E1. Et fou D6. Dame prend, dame prend. Ah oui, mais j'ai toujours ce problème avec ce pion. Et si je jouais fou prend, du coup, fou prend, dame prend. Cavalier E5. Non, ça va pas l'air idéal non plus. Mince. Bon, ici je me préoccupe pas là. Si je me dis il menace rien, j'attaque ailleurs, je joue B5. Avec peut-être l'idée de faire C4 et résoudre le problème de ce pion. B5, je peux. M'engage à rien, B5. B5, pion prend, pion prend, et après est-ce qu'il joue D4, je pousse, C4, je pousse. C4, non, je pousse pas ici. C4, je prends une fois, et je pousse après. Tour 1, bon, j'essaye de dire que c'est pas une menace, parce que je suis défendu comme ça, mais bon. Peut-être pas sûr. Si pion prend, pion prend. Peut-être y avoir ici un problème aussi. Non, mais je pousse. Il s'en moque. Alors, est-ce que je pousse du coup? Parce que ça, j'essaye de fermer son fou ici. Sais pas trop ce que ça vaut ce que je fais. Je sais pas trop loin qu'on s'en va. Alors, j'aurais quand même peut-être fou ici qui me laissera une chance de mettre fou D3. J'aurais peut-être dû le jouer avant d'ailleurs. Ça, c'est toujours pas attaqué, hein. Je peux être confiant. Si pion prend, dame prend. Même temps, c'est un clouage qu'on n'a pas envie de voir sauter, ça. T'as quand même l'idée de mettre un fou en D3, c'est super tentant. Quoi qu'il peut jouer, fou. Fou bien. Bon, dame D6 maintenant. Toujours pas parce que j'ai ce problème ici. Si je laisse son fou arriver en G3, fou D6, fou prend, dame prend. J'ai pas l'impression que ce soit très grave en fait. On va voir, mais j'ai pas l'impression que ce soit très grave. Peut-être je me trompe. Je suis en train d'ouvrir mon roque, en fait. Il n'a pas encore consommé, là.
de temps, enfin il n'a pas aggravé son temps. Moi je suis pas bien, mais ouais, c'est. En fait, j'ai pas de repère dans cette position, je sais pas trop quoi faire. En fait, je me rends compte que ça peut être un coup assez fort aussi plus tard. Donc là, soit il prend, je prends, bon, ça doit aller. Soit il recule, et je joue G5. Il faudra qu'il décide s'il sacrifie ici, sinon c'est fou G3, et je proposerai l'échange avec fou D6. Il peut presque pas refuser, fou prend D6, dame prend D6. Et après, sa dame, cette pièce ne tombe pas, parce qu'il y a toujours mon cavalier qui contrôle cette case ici. E7, très important. Et après, je pense qu'il faut qu'il prenne. Je reprends par exemple, et il joue fou B1 qui me gêne pour jouer fou G6. Et comme il n'y a plus de paire de fous, je pourrais peut-être faire fou prend F3 tout simplement. Je sais pas. Bon, en tout cas, il se met à réfléchir. Ok, donc là je continue mon plan, hein. Tant pis. Ou tant mieux, on verra. Bon, il n'y a pas vraiment de sacrifice ici, parce qu'il y a ça quand même. Ok, et maintenant fou D6 pour échanger un peu, parce que j'ai du mal à bouger mes pièces par là. Je sais pas si G4 était à considérer d'ailleurs. Et là je pense que le bon coup c'est pion prend et hop, fou B1. Mais j'ai peut-être fou G6 quand même. Bah d'ailleurs. Alors on va réfléchir un peu. Est-ce qu'on peut sacrifier nous? Si on fait cavalier prend G4, puis on prend G4, fou prend G4. Je vois pas trop. Non. Je suis pas mécontent parce que du coup il se retrouve avec la même faiblesse que moi finalement. Hein. Je lui avais rien demandé. Là. Ok. Alors, est-ce que je prends. Bon, a priori, si je prends avec le pion B, mon pion D va être arriéré. Donc, il faut que je prenne comme ça. Et j'ai une belle case ici. Et il va sûrement jouer fou B1. Et aussi, j'ai du tour E8 maintenant. J'ai l'impression que la situation s'est un petit peu améliorée pour les noirs après tous ces échanges. Parce qu'il y a la case D3 quand même. Et j'ai la case F4 aussi. Hein. Cavalier D5, cavalier F4. J'ai beaucoup de choses. Lui aussi peut le faire. Hein. Mais au moins je contrôle un passage. Alors que cavalier D5, cavalier F4, menace d'aller en D3, menace d'aller en H3. Je rêverais d'avoir un cavalier en D5 alors qu'il est. Il n'y a que tour D1 qui pourrait me gêner parce que j'aurais peur d'un clouage. Mais encore, pour faire sauter le clouage, il faudrait jouer cavalier F1, fou D3, pas de clouage. Je crois que c'est fou B1. Alors fou B1, peut-être ça l'embête à cause de, je ne sais pas, moi, peut-être des prises ici, mais je vais pas aller chercher ce pion-là, je vais pas m'intéresser à ça. Je vais plutôt m'intéresser à cavalier D5. Quoi. Alors est-ce qu'avant cavalier D5, je joue tour E8? On menace la dame, on prend la colonne E en quelque sorte, il faut que la dame aille en D1 par exemple. En même temps, si je joue pas tour E8, j'ai cavalier F4 après avec tempo. Donc fou prend. Cavalier prend ou tour prend. Peut-être je peux ouvrir la colonne F aussi. Hein. Fou prend, pion prend. Mais c'est embêtant, il y a cette case quand même qui est. Non, vaut mieux que je le prenne. Et après cavalier D5. Alors s'il reprend comme ça, ça m'embête un peu, parce que peut-être il y a cavalier A3 avec des pressions sur B5. Et aussi la colonne, et j'ai pas trop le temps de jouer cavalier D5. Mais s'il reprend avec une tour, je dois avoir le temps de jouer cavalier D5. Cavalier D5, cavalier E4.
Dame F4. Ah ben non, pas Dame F4, ça enlève la case de mon cavalier. Dame G6. Et si je commençais par tour E8? Tour E8, c'est Dame D1. Cavalier E4, Dame B6, Dame G6. Je ne sais pas trop ce qu'il fait avec son cavalier. Hein. Et le mien arrive en F4, c'est sûr. Est-ce que je fais tour E8 d'abord? Dame D1, cavalier ici, bah non. Bah non, justement pas. Donc, cavalier D5 tout de suite. Peut-être Dame E4 aussi. Alors figurez-vous que c'est déjà pas évident de jouer en parlant, etc. Enfin j'aime bien, hein, je le fais avec vous, j'apprécie, mais maintenant il y a un autre aspect, c'est qu'il y a 15 spectateurs dans le chat, ça colle un peu la pression. Mais bon, c'est bien pour s'entraîner, moi c'est ma partie d'entraînement. 15 plus 15, ça va. Celle-ci est intéressante parce que franchement, je suis pas du tout sur les motifs que j'ai l'habitude de jouer. Cette position ne dit pas grand-chose. Bon, il y a des trous partout. C'est sûr que cavalier F4, c'est tentant. Dame E4, peut-être. Tour D1 pour activer les tours. Cavalier F4, faudra il faudra qu'il bouge la dame. Et j'aurai cavalier prend H3, échec quand même. Donc c'est dame F1. Mais j'ai aussi cavalier D3 derrière qui est intéressant. Peut-être je gagne un pion quelque part, vous voyez, mais c'est pas ça qui compte, je pense. Parce que ça me paraît fragile tout ça. Et l'aspect dynamique va être important dans cette position. Et mes tours ne sont pas activés pour l'instant. Ok, ça c'est le coup que j'avais vu. Je pense que la meilleure réponse c'est de venir en G6, où je couvre des cases importantes. Il n'y a que G5 où il peut aller. C5, pardon, mais je vois pas où il atterrit après. Et je colle la pression sur ce cavalier avec l'idée de. Alors il peut venir en G3, faire essayer de faire pareil, mais Madame défend quoi, H6 au moins. Et puis j'ai la case D3 que lui n'a pas, il n'a pas l'équivalent de cette case. Je préférais garder Madame là pour défendre bah, toutes ces cases, celle-ci, et mon cavalier aussi derrière. Attention aux éventuels cavaliers. E5, alors on voit qu'il joue beaucoup sur la colonne E, je vais quand même, dès que j'aurai le temps, essayer de jouer tour E8. Et peut-être je vais jouer la tour A en E8 pour pouvoir jouer F5 et essayer de vraiment attaquer son roi, quoi. Il y a aussi cette diagonale qui est intéressante. Il y a plusieurs choses. Donc c'est pas facile à jouer pour les blancs, mais fait c'est facile à jouer pour personne là en l'occurrence. Peut-être il peut jouer sa dame ici. Avec l'idée, ouais, il a tour, effectivement, il a tour D6 qui menace, mais je prends sa dame avec échec. Donc d'abord, pousse ta dame, et ensuite on échange les tours. Voilà, parce que là, il aurait du tour D6, vous voyez. Mais ça marche pas parce que je fais cavalier prend échec. Alors j'ai un échec. Cavalier échec, roi G2. Le problème, c'est qu'après, je perds une pièce. Je pense qu'il faut que je joue ma tour en E8. Je peux aussi contre-attaquer, hein. Je peux aussi mettre une tour ici, parce que si je joue tour D6, je peux jouer dame prend. Non, je peux pas. Et j'ai cavalier D3. Tout simplement, cavalier D3, j'annule sa menace de contre-jeu sur D6, c'est pas mal. Il va jouer tour E2 et ensuite il jouera cavalier E1. Beaucoup de choix possibles ici. Hein. Est-ce que je dis que cette tour est vraiment mauvaise et je l'échange? Tour prend, il va jouer peut-être dame B6. Sur dame B6, j'ai peut-être.
peut-être d'abord tour E8. Peut-être lancer une attaque quand même. Est-ce que je le mets en D3? Cavalier D3, tour E2, F4. F5, pardon. Son cavalier est menacé. Et s'il joue un coup comme cavalier G3, j'ai une fourchette. Ça a l'air quand même super bien, ça. On va voir, mais ça a l'air super bien. Du coup, ma tour joue toujours pas. C'est là. F5, c'est peut-être un coup. Parce que le cavalier peut pas aller en G3, j'ai F4. Quoique. Sur F4, il y a Dame E6, échec. Dame prend, tour prend. Et si je fais pion prend, il fait tour prend. Bon, moi je gagne peut-être un pion ici, mais c'est même pas sûr parce que pion prend, tour bien. On a toujours l'impression qu'on est bien aux échecs et ça se passe pas si bien. Je peux aussi avoir tour E8, tour A8 par exemple pour augmenter la pression. Clouer son cavalier. Cavalier échec, dame prend, tour prend, ouais, ça va. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, j'ai pas joué cavalier prend échec, parce qu'après roi, par exemple H2 plutôt, roi H2, fallait que mon cavalier reparte, et il avait tour D6 et il gagnait sans doute ce cavalier, parce qu'il y avait une double attaque sur le fou et le cavalier. Bon, en tout cas, mon cavalier F6 a été amélioré. Ok, ce que je dois améliorer maintenant, c'est ma tour. Et peut-être ce cavalier là qui est un peu gênant. Mais tour E2, il va menacer cavalier E1, je l'ai dit. Hein. Marqué sur cavalier E1, je peux toujours rejouer cavalier F4 pour l'embêter. Peut-être pas dans cette configuration quand même. Tour E2, tour E8. Cavalier E1. J'ai peut-être cavalier B2. Parce que si tour prend B2, il y a dame prend E8. Mais il y a tour D6 toujours qui revient. Ah oui, mais dame prend. Non, ça marche pas. Si, dame prend, tour prend, tour prend. Bah non, parce que j'ai perdu une pièce. Tour E2, il faut peut-être jouer tour D8. Parce que si cavalier E1, je fais cavalier prend. Il menace de prendre la tour. Bon, il peut revenir avec tour prend. Mais au moins, il n'a pas de tour D6, quoi. Et s'il fait tour prend. Tour prend. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Tour E2, tour D8, cavalier E1. Je vais actualiser la page, là, parce qu'il me fait un peu peur. Tour E2, tour D8, cavalier E1, cavalier prend E1, tour prend D8, tour prend D8, tour prend E1. Et j'ai tour D3. Peut-être dame B6, quelque chose comme ça. Ou alors tour D8, cavalier E1, cavalier E4, E5. Peut-être il a F4 alors. F4, G prend F4, dame prend F4, ça me paraît dangereux. Non, pas dame prend F4, il ne peut pas jouer F4. Je recycle cette tour et je contrôle cette case qui me fait vraiment peur. Il peut jouer tour ici, remarquez.
Mais après ça, je vais jouer tour E8. Moi, je vais jouer là-dessus. En gros, je fais ce qu'on apprend, hein. J'essaye de défendre mon point fort. Il y a une tactique que j'ai ratée. Ouais, s'il vient chercher des pions là, ça va peut-être être dangereux pour lui, là. Hein, ça, remarquez, dame C5, ça doit marcher. Dans ce cas-là, je repars avec cavalier F4. Pour venir chercher ce pion ici. Et est-ce que j'ai toujours F5 dans l'air? Notez que la dame, si elle a des cases quand même. Alors dame C5, dont je parle depuis tout à l'heure, on va éviter à cause de cavalier prend C5. Donc c'est dame B6 à la limite pour attaquer ce pion. Je me demande alors si j'ai pas vu cavalier F4. Menace la tour, si tour prend, je menace. Non, je menace la tour avec échec, donc il faut qu'il la bouge, c'est tour D2. Et. Non, c'est tour E1, parce que sinon il y a ce cavalier qui est en l'air, mais tour prend, et dame prend E4. C'est un peu tordu ce que je raconte, mais dame B6. Cavalier vient là, menace de prendre la tour avec échec. Et si. Tour vient en D2, alors je peux prendre tout simplement le cavalier, il est gratuit. Et si la tour vient en E1, je peux faire tour prend D8, tour prend D8, et à nouveau, je peux prendre le cavalier. Donc dame B6, j'y crois pas trop. Par contre, ce pion, ça va être un problème à terme, c'est sûr. Alors maintenant, moi, il faut que je regarde, est-ce que je joue tour E8 pour attaquer et clouer ce pion? Cavalier F4 tout de suite, donc. Menace la tour avec échec. Mais je pense que c'est mieux une fois qu'il y a eu tour E8. Ou est-ce que je joue plutôt le pion F5? F5, faut que le cavalier s'en aille. Alors son cavalier peut venir là aussi. Je n'avais pas pensé à ça. Dès maintenant, d'ailleurs. Mais je pense que ça ne marche pas. Cavalier C5, cavalier prend C5. La tour est menacée. Donc il faut qu'il fasse tour prend, dame prend C5. Et après ça, j'ai dame échec. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu du tout, celui-ci. Qu'est-ce qui menace celui-ci? Si je prends, il reprend forcément avec le pion, ce qui lui fait un pion passé, mais un pion un petit peu faible aussi. Très tentant de jouer cavalier prend. Parce que du coup, il n'y a plus de contre-jeu de la dame. Ah, il va peut-être pouvoir jouer cavalier C5 justement derrière. Mais je joue tour E8. Cavalier prend pion prend tour E8. Est-ce que j'ai pas encore mieux? Parce que ça a l'air bien, mais est-ce que j'ai pas encore mieux? Ah, il menace ce pion. Moi, mon cavalier, il ne servait à rien. Alors, tour E8 maintenant. Donc, ça cloue ce cavalier. Je peux avoir des idées d'F5. Si la dame se décloue par là-bas, je peux avoir cavalier F4 avec la prise en H3. C'est intéressant. Ce pion est forcément faible, même s'il est passé. D'ailleurs, si la dame s'en va trop loin, il est pris. Et donc, ma menace tout de suite, c'est peut-être F5. Pion prend, dame prend. Avec l'idée, cavalier F4. Et G3 sera attaqué deux fois, la tour aussi, donc il ne pourra pas défendre G3. Mais attention au contre-jeu quand même. Ici, alors. Est-ce que je peux tirer parti de cette situation? Est-ce que je peux prendre ce pion? Il y a cavalier échec qui menace, donc ça c'est embêtant. Je peux pas, donc il faut que je repousse sa tour. Et après je peux pas prendre le pion.
doit y avoir quelque chose là, parce que c'est chaud quand même. J'ai quand même une idée, j'ai quand même cavalier prend échec, parce que s'il fait dame prend, je pourrais faire tour prend. Là, il peut jouer par exemple tour D2. Non, il peut pas parce qu'il faut qu'il défende ce cavalier. Donc c'est tour E1 ou tour E3. Les menaces cavalier échec ne marchent plus, évidemment, parce que je peux prendre là. Oh là là, puis ça fait rêver parce qu'il y a des trucs, si son roi avait été ici par exemple, hein, il y avait sûrement du sacrifice en tour prend, dame prend, cavalier échec. C'était beau ça. Récupérer la dame. Le thème peut revenir d'ailleurs, mais pour l'instant le roi n'est pas sur 25. Ok. Donc ici, est-ce que je fais cavalier prend, échec, dame prend, tour prend. Je gagne qu'un pion, j'enlève mon fort cavalier. Mais je menace ce pion, donc il va falloir qu'il le pousse. Sa dame est bizarrement placée aussi. Et si sur cavalier échec, il bouge son roi, ouais non, je pense que c'est ce que je peux faire de mieux dans le temps qu'il m'est imparti. Cavalier échec, dame prend, tour prend. Check. Ah oui, mais il y a dame vient là, après, je suis un peu bête. Dame prend, tour prend, tour prend, dame prend, dame prend H6. Alors, j'ai dame prend G4 échec et je gagne la tour. Ouf! Mais il a aussi un dame prend G5 qui gagne la tour, alors il faut calculer beaucoup de choses. Mais je peux au moins prendre le pion G4 en fin de cycle. Là, pour l'instant, il est en échec. C'est le roi ou la dame qui bouge, hein? Si c'est le roi, il faut que je me presse de revenir ici pour couvrir la case F6. Si c'est la dame, je suis obligé de prendre le cavalier. Donc, dame prend, tour prend, tour prend, dame prend, tour prend H6, tour prend G4 échecs, coq avant, dame prend H6, il peut jouer F3. Mais F3, je suis peut-être content parce que la dame est encore plus enfermée. Je peux revenir en G6 ou en E6 ou en C6. Essayer de m'attaquer à ce pion-là. De toute façon, le prochain coup, normalement, je passe pas trop de temps. Soit c'est cavalier F4, soit c'est tour prend E4. Vraiment, il n'avait pas vu. Mais c'est vrai qu'un cavalier qui traîne comme ça sur des cases hyper fortes, bah, ça fait des dégâts, forcément. Mais il a vu beaucoup de choses, donc il faut que je me méfie. Il a l'air bien concentré. J'avoue que j'ai froid. C'est l'hiver, la pièce est, j'ai pas mal chauffé là. Il va falloir que je chauffe mieux. Et donc, en tout cas, la partie était très intéressante. Elle n'était pas dans mon domaine. Elle n'était pas sur la tactique. Là, j'ai pas d'autre coup, je pense, hein. Sinon, c'était cavalier F6 échec redoutable. Qui va garder comme menace d'ailleurs. Il va sûrement doubler les tours. Et là, j'ai un problème ici. Dans ce cas-là, peut-être je joue tour E6. Si cavalier F6, tour prend F6. Il n'y a pas de mat. Si D5, j'ai tour prend D5. Là aussi, j'ai tour prend D5. Non, j'ai pas. Si, j'ai tour prend D5, cavalier prend D5 qui couvre encore la case F6. Mais alors là, c'est dangereux ensuite. Tour prend D5. Tour prend D5, cavalier prend D5. Faut qu'il bouge sa tour. Il
peux tenter des trucs à base de cavalier prend G5, mais j'ai dame prend G5 qui défend aussi. Ah, j'ai vraiment envie de faire tour prend. Il me reste une minute. Ça peut être une bêtise, mais je vais le tenter. Je sens que je vais le tenter. L'occasion est trop belle, on va dire. Y a aussi des découvertes de cavaliers qui menacent ma tour. Ça, j'ai raté. Cavalier prend, dame prend, tour prend, échec. Ouais, là, j'ai totalement foiré en fait. Et cette tour reste prise. Bon, elle est défendue, mais. Je me demande si j'ai pas cavalier échec ici. Ça pouvait être dangereux au coup d'avant. Là, maintenant, je peux reprendre avec le cavalier, donc ça va. J'ai un dame D6 quand son cavalier bouge qui peut être salutaire aussi pour avoir un petit échec. Si j'arrive à échanger des pièces, si j'arrive à passer l'orage de cavalier F6, logiquement, je dois pouvoir gagner. Là, je pense que c'est tour E2. Et sur tour E2, je fais quoi? Peut-être je reviens avec cavalier F4, hein, il était bien le cavalier. Cavalier F4, tout simplement, je l'enlève de cette case dangereuse. Sur tour E1, pareil. Et ensuite, quand la tour essaye d'aller sur la colonne E, je viens ici. Attention toujours à mon échec ici. Je vais finir par me le prendre. Il faudrait que je joue roi G7 ou tour E6 pour être tranquille. Alors tour E6, il y aura peut-être des cavaliers C5. Mais bon. Donc en tout cas, Mohan Koparapu, je ne sais pas où vous avez chargé vos pseudos, les gars, c'est compliqué quand même à dire. Mohan Koparapu, après ça dépend, s'il est indien, pour lui c'est tout à fait normal. Et ben voilà, donc non, je n'ai rien dit, c'est tout à fait normal, c'est mon nom qui doit lui paraître bizarre. Ouais, mon nom est bizarre de toute façon. En tout cas, nous a offert une partie intéressante. Ça peut se finir dans un sens encore ou dans l'autre, même si j'ai 2 pions de plus, parce que. Il suffit d'un coup tactique, je pense, pour arriver au drame. Je me demande d'ailleurs si dans cette position-là, il n'y avait pas quelque chose. Un passe de cavalier F6, échec, dame prend F6, tour prend D5, cavalier prend tour, dame prend. Non. Il y a encore cette tour qui est en l'air derrière. Voilà. Cavalier F6, échec, dame prend F6, tour prend E8, échec. Je pense que ça, il l'a. Il l'a raté et là j'étais mal, roi G7 et il prenait en D5. Il me semble bien qu'il a raté quelque chose. Je verrai l'analyse, mais. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ce type de position, ça peut vraiment très mal se passer d'un point de vue tactique d'un seul coup. Et il faut se méfier. Alors là, il y a cavalier G5 peut-être, ce genre de coup, qui menacerait mon cavalier, mais j'ai du dame D6, ça j'avais vu en début de variante. Dame D6 échec, qui me permet ensuite de reprendre le cavalier. Sans perdre le mien. Et j'ai un autre coup de bol, c'est qu'il n'a pas de tour D3 pour profiter du clouage grâce à ce pion. Je suis désolé, je suis tremblant, c'est pas tellement la peur, là, c'est plutôt le froid. Oh! Et pour la première fois de la partie aussi, il va avoir moins de temps que moi, donc on va voir comment ça va gérer. Je vais actualiser, toujours pareil, parce que peut-être qu'il a joué puis je vais perdre. Attention à ça. Je sais pas si ça va tout casser. Non, ça va. Voilà. Ça, je rapproche moi le bouton actualiser. Ok, donc j'ai perdu un peu le fil. La tour E1, j'ai dit que je faisais quoi? Cavalier F4. Tour E2, cavalier F4 aussi, je pense que c'est bien. Parce que ça lui enlève les possibilités de cavalier F6 échec. Et peut-être après, je vais avoir tour D8. Elle sera plus utile en D8, même si la pression sur ce truc est bien. Donc là, faut il faut qu'il revienne en E3 ou en E1. Check. Ah bah oui, je viens de le dire, la tactique, et je la rate. Vous voyez, ça va super vite. Bon, c'est pas grave, Check. on a joué correctement, c'est pas la fin du monde. Ça arrive, je papote et je fais pas attention. C'est marrant parce que je venais de la montrer, la tactique. Mais je vais vous faire un aveu, cette partie qui m'a intéressé un moment m'ennuie, en fait. Et évidemment, quand on n'y est pas à 200%. Donc ici, j'aurais dû jouer, pas cavalier F4, j'aurais dû jouer le fameux tour E6 dont je parlais depuis un moment. Et j'ai zappé. Bon. On va essayer de se défendre. Hein. Donc il veut faire tour échec ici. Alors moi, si j'ai des échecs et mats qui doivent traîner, faut qu'il aille vite pour me mater.
Tour échec. Déjà, je peux peut-être jouer dame prend, tour échec, roi f6, dame d8, bon, c'est embêtant. Mais si je mets. Mon cavalier en g6, je menace tout de suite échec, il fait échec, roi ici, et après. Après, il n'a plus grand-chose et son roi est à poil. Donc c'est un peu embêtant d'enlever mon roi, mais sinon c'est. Je peux jouer peut-être ici, dame, d8, tour échec, roi f6. Et le problème, c'est qu'il peut échanger les dames. Et ça, j'ai pas envie qu'il échange les dames. On va faire ça pour éviter qu'il y ait trop de pièces qui viennent m'embêter. Donc échec, roi vient là. Mais après, il n'y a pas d'autre échec. Ah, mais c'est bête, parce que si je faisais dame prend. Oh là là, mais j'y suis vraiment plus du tout. En fait, je pouvais prendre. Parce que tour échec, roi vient là. Et il n'y a pas de tour h8 échec de toute façon. Vu que madame défend h8. Voilà, je. Yannis Wiplou, chess ami. Bon, son roi est quand même un petit peu fragile, hein. Je pense qu'il peut l'amener là. J'irai prendre le pion, ce sera toujours ça de pris, et après j'essaierai de faire ça. Hein. En plus, sur roi G2, j'ai aussi cavalier. Cavalier H5 qui peut être embêtant. Donc là, il n'a qu'un échec et après il n'en a plus. Sécurité du roi, voilà. On va essayer de dire j'ai perdu la qualité. Mais j'ai deux pions de plus, donc finalement matériellement c'est égal. Quelque part, je vais peut-être encore récupérer un pion. Ah, faut actualiser, je suis sûr. Il va me dire que j'ai perdu. Ah non, c'est mon adversaire qui a perdu autant. Bon, bah c'est pas génial. Hein. J'ai super mal joué à la fin, mais je sais même pas si cette position est perdante. Quand je regarderai l'analyse, je suis pas sûr du tout. Parce que mon roi est peut-être plus en sécurité que le sien, et comme je disais, je vais peut-être même pouvoir pousser un pion ou faire des attaques de mat. C'est pas clair. Bon, je ne mettrai pas sur case blanche. Ça joue encore. Mais bon, il a perdu autant, c'est dommage. Parce que c'est pas clair, je viens de le dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. 47 minutes, on va arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous de moi. Et au besoin de regarder d'autres vidéos, c'est par là-bas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.